Coucou à tous. Je vais vous montrer des petits achats que j'ai fait sur Temu. J'ai pris ce petit fanion du Portugal, comme ceci, pour le petit. Hop. Ensuite, j'ai pris un ensemble avec t-shirt et le short un peu thème gaming aussi. Pour le petit. Ensuite, je me suis pris un petit bloc comme ça pour mettre mes billets de collection. Je vais vous montrer. Hop, il est comme ça en espèce de petit plastique. Hop. Et du coup, je vais pouvoir glisser ici tous mes billets de collection comme ça, ils seront protégés. Et ensuite, j'avais pris un album pour mettre les pièces. Mais je pense qu'il va aller sur Vinted parce que je me suis trompée. En fait, c'est des toutes petites, petites cases. En fait, mes pièces de collection ne rentrent pas dedans. Du coup, il va atterrir sur Vinted et j'ai fait une demande de remboursement. Et ils veulent pas que je le ramène, il va aller sur Vinted. Ensuite, j'ai voulu tester les soutiens-gorge bandeaux. Donc là, c'est un bandeau, hein, c'est un soutien-gorge super souple. Donc en fait, vous avez le lassage dans le dos et puis les petites ventouses pour attacher. Et en fait, vous avez ça pour resserrer devant. Donc en dessous de la poitrine. C'est pas mal. Je vais le tester celui-là. Ensuite, j'ai pris le même système en blanc, mais avec le rembourrage. En fait, ça s'attache comme ça devant. Derrière, c'est soutien-gorge normal. Vous avez les bretelles transparentes en plus, mais c'est en version bandeau, quoi. J'ai pris le même système en version un peu plus qui remonte, en fait. Avec pas de push-up et tout. Je vais vous montrer la différence entre les trois. Voilà la différence entre les trois. Celui-là, c'est bandeau, donc sans rien. Celui-là, c'est un classique qui remonte un peu vers le haut, donc un classique. Et celui-là, il fait vraiment soutien-gorge avec les armatures. Alors que là, il n'y a pas d'armature non plus. Ça fait plus bandeau comme le premier, mais avec un peu de rembourrage. Et celui-là, ça ferait vraiment soutien-gorge. Voilà la différence. J'ai oublié de vous montrer dans les achats Temu, j'ai pris une affiche comme ceci de Kylian Mbappé pour le petit. Donc c'est un poster un peu en version un peu toile. Donc là vous l'avez en petit puis en grand et ça donne ceci. Voilà, à bientôt!